C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Voisin. Hein? Voisine, comment tu vas? Ça va, chez toi? Oui, ça va. Hein. Voisin. C'est quoi? Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent que tu as fait de compter ce beau matin? Ah. Ah non, là, c'est pour aller donner à une fille, hein, au dehors. Hein. Elle veut me garder le micro, quoi. Elle va prendre ça là, pour garder le micro, là. Elle va prendre ça là. Pour nous, là. Elle va prendre ça là, regarde. Il y a de l'argent dedans. Oui? Tout ça là, c'est pour moi. C'est pour aller donner ça aux femmes maintenant. Eva. Vas-y, toi aussi. Comment moi je serai ici? Toi, tu iras donner l'argent à femmes dehors. Attends, c'est toi le qui parle? C'est moi? Mais tu m'as insulté dans cette maison que moi je ne peux jamais trouver ton truc là, non? Oh, faut laisser. Moi, que moi je ne peux rien faire sur toi, non? Oh, faut laisser. Moi je blaguais, non? À cause de mon argent, là, tu blagues. Ah, moi, je blague. Comment je vais essayer de remettre l'argent dehors? Non, sinon, moi, je vais aller donner ça. Hein. Je vais aller donner ça. Voisin. Hein? Je suis là. C'est quoi, tu veux me violer? Toi aussi, donne. Comment moi, je vais essayer de remettre l'argent dehors? Oh. Comment? Tu là, c'est pour prendre le micro. Hein. Ça, là, c'est pour. Je sais, je vais gérer tous les. Oh, assois-toi ici. C'est un micro seulement, non? Oui. Je vais garder le micro. Oh, Jesus. Jesus Christ. Oh, oh, Jesus. Oh. Ah, voisine. Donc, tu l'argent. Sais... Donc, c'est comme ça que tu étais là. L'argent. Oh, putain. Oh. Bon. Je vais faire le reste au dehors. Hein? Fais le reste encore au dehors. Pour nous, là. Je t'ai dit que je vais tout gérer, non? Bon, voilà. Comment faire? Femme, tu sais maintenant, famille. Prochainement, si tu trouves l'argent, la fois qu'on m'a appelé. Hein? Vraiment. Ça fait un de plus. Mathieu Jimmy Bon, ma goua. Bélia. Avec cet argent, je vais acheter une passion. Vraiment. Allô? Chipe shawarma. Deux shawarma emportés et un plat de riz accompagné de poulet. Très chaud comme d'habitude. Il faut que j'appelle le démarcheur là parce que là... Ok, d'accord, ok. Vivement que cette fois-ci ce soit vrai. Ok. Madame Aurel, comment allez-vous? Continuez. Je vais bien chez vous. Hier, il y avait eu des lestages. Hein. Toute la zone était sans électricité. Du coup, mon téléphone était éteint. Ah, d'accord. Sinon, hier, toute la journée, j'ai appelé fatigué. Sinon, votre voisin vous a chargé la commission. Quelle commission? C'était votre tour de tontine hier, non? De ramassage, non? Du coup, j'étais venu ici vous manquer. Donc, le voisin m'a proposé de lui laisser l'argent le temps. Pour qu'il puisse vous le remettre. Moi, mon argent, je t'en dis. Oui. Et attends. Donc, tu as remis mon argent au voisin. Oui, oui, je lui ai remis l'argent hier. Les deux tontines, il vous a remis deux enveloppes hier, non? La tontine de la Dogwe, les 600 000 et la grande tontine de 3 millions. Eh! Donc, c'est avec mon argent que le voisin a récupéré hier, quoi. Sinon, il vous a remis l'argent, non? Voisin. Madame. Hein, hein? Il vous a remis les deux enveloppes, oui, non? Oui, oui, oui. Ok, sinon, il y a une enveloppe de 600 000 qui est votre tontine et pour votre grande soeur, les 3 millions. Comme ça, le voisin, il m'a eu. Bon, sinon, vous avez eu les deux enveloppes, non? Oui, oui. Ok. Bon, c'était juste pour avoir la confirmation. J'étais de passage dans le quartier, j'ai voulu passer pour avoir la confirmation. Donc, on se dit à tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, tontine. Ok.
Voisin. Voisin. Aujourd'hui, là, il va me sentir. Tiens. C'est qui? Voisin. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a fait ça.